Hello les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, un petit rallye avec deux chevaux sur Assetto Corsa, une des voitures préférées de ma jeunesse, comme beaucoup de monde, je dirais même. C'est une voiture qui est hyper connue, sauf qu'en version rallye, c'est un petit peu différent. Je vais la tester et donc vous allez voir que, bon, je pense pas que ça suit beaucoup de chevaux, peut-être un peu plus que l'original, mais bon, à voir. Celle-là, c'est sur le circuit de Monte Carlo, donc voilà. Donc vous allez voir que c'est beaucoup de la montée et elle va souffrir, c'est clair qu'elle va souffrir. Je vais vous parler en même temps un tout petit peu de mes partenaires qui sont Amazon et Instinct Gaming. Donc si, voilà, c'est dans la description. Si ça vous tente, il n'y a plus qu'à. Vous n'avez plus qu'à faire ce qu'il faut. Vous cliquez dessus, vous allez voir ce qui vous plaît. Et puis voilà, donc tout simplement quoi. Ok? Allez, bon, en tout cas, c'est parti. On va lancer. Voilà. Donc là, on va se mettre dedans. Je vais vous montrer un tout petit peu comment elle est la voiture. Voilà, intérieurement c'est ça. C'est assez sympa de l'arrière. Mais on va se mettre de l'avant quand même parce que c'est vrai qu'elle va souffrir. Vous voyez bien l'accélérateur, il a beaucoup de mal. Hein. Allez, bah, c'est parti. Oh, faites patiner quand même les. Ah, vous voyez, c'est pas violent. Alors, allez, on va y aller à fond quand même, on va essayer. Hein. Là, je vous rappelle en même temps que ça tient pas la route. Hop, vous voyez, là. Oh, que ça a un petit peu de mal. Là, je vous rappelle en même temps que je mon Simu et le Thrustmaster T818 qui est vraiment au top hein, pour un direct drive. Il y a une vidéo justement sur ma chaîne si ça vous tente, vous pourrez aller voir et j'en parle justement, je l'ai testé et tout en même temps, voilà quoi. C'est vrai qu'il est quand même vraiment super. Et quand on a des bonnes sensations avec. Ça a du mal. Hein. Là, un petit coup de première. Ouf. Allez. Ça sent un petit bruit sympa quand même, hein, j'avoue. Hein. Après, bon, voilà. On se la fera un petit peu en descente. Alors, on se fait un peu de l'intérieur aussi, tiens, allez, pour se faire plaisir. Vous voyez, c'est pas hyper violent. Imaginez une course en deux chevaux. Déjà, les moteurs, ils souffriraient comme des malades. Je pense que ça lâcherait quand même pas mal sur la route. Parfois que c'était des moteurs hyper résistants, moi je m'en rappelle. Hein. Mes cousins faisaient les imbéciles dans les champs avec. Et je peux vous dire que eh ben, ça tenait. Hein. Ça tenait. Hein. Ah, que ça a du mal hein, même en deuxième hein. Ben bon en même temps ça grimpe hein, faut pas se leurrer hein. Allez, un coup de troisième, je suis dans le rouge là, 60 km/h. Imaginez qu'aujourd'hui voilà quoi. Et là-dessus il faudrait faire des cours à plat, des courses à plat et ou alors des descentes mais. Pour dire vraiment d'avoir une grande vitesse. En tout cas c'est court. C'est cool, ça marche super bien. Hop là. Alors on va mettre la première là parce que là c'est pas faisable.
Ça c'est pas, y a pas photo. Hein. Un peu les pneus. Formidable, franchement c'est formidable comme voiture, moi j'adore. Même si c'est pas rapide, on prend le plaisir quand même de rouler avec. Franchement c'est cool. C'est pas violent. Ah mais rien que le plaisir d'être dans une 2 chevaux, ça change tout. Si tu aimes, like, parce que c'est vrai que là c'est le top quoi. N'oublie pas de t'abonner aussi si t'aimes bien Assetto Corsa. D'autres voitures de... bon, y en a d'autres hein. Mais c'est vrai qu'Assetto Corsa, il y a pas mal de choses dessus. Système système sol, système pur pour améliorer. Enfin tout ça, voilà, je peux mettre la météo que je veux. On peut avoir une météo exécrable comme avoir un super beau temps. Là j'ai mis un beau soleil quand même pour profiter un peu de cette voiture. Déjà qu'elle avance pas vite, si en plus on se met dans le décor grâce à l'eau, bah, ça sera pas top. Hein. Finish. Ah, est-ce qu'on va se faire là? On va se faire la descente. Ok. Hop là, regardez ça un peu. Allez, un contre-braquage, c'est le top ça. Avec le frein à main. Marche bien là-dessus. Hein. Et vous avez vu un peu, il y a des traces de pneus, ça marche. C'est que c'est super quand même. Hein. Et c'est reparti mon coco. Bon allez, ma cocotte, on va dire, parce que c'est vrai que bon. Là on y va quand même, hein. Il y a quand même une plus de sensation de vitesse. Ouh. Hop. Vous voyez, par contre là côté freinage, ça a un peu de mal quand même. Hein. Normal hein. C'est normal. Ça va bien quand même. Comme je vous disais, hein, en descente c'est le top. En montée, bah bon, ça manque. Hein. À fond les ballons. Oh. Cent kilomètres heure, 110. Hop, 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 hop. Allez, 120. Ouais, je sais que là, hop là, ça passe pas à 120 ici, c'est clair. Hein, je peux vous le dire.
Oh! Allez, voyez, si je freine, bah, ça part tout droit comme une vraie voiture. Hein. Ouah! Hop! De justesse! Parfois on se fait plaisir hein, en descendant. Ouah, pourquoi je suis passé en première moi? Hop, arrivé. Bon bah voilà, en tout cas on a fait un petit tour de cette belle voiture. Franchement, elle est vraiment au top, hein, c'est clair. Moi je vous la conseille de l'essayer, hein, y a pas de soucis. Hein. C'est vrai que c'est assez cool quand même. Ok. Une petite blague de Paris. bon bah voilà, en tout cas, c'était vraiment sympa comme petite bagnole. Surtout la deux chevaux, c'est formidable comme petite voiture. Donc voilà. Voilà. En tout cas, nous, on se dit à bientôt. N'hésitez pas à poster, il n'y a pas de souci, hein, si vous aimez assez tout Corsa aussi. Ok? Et puis si vous avez des soucis de tout ce qui est informatique ou même des tutos pour si vous voulez des tutos du moins sur. Ou des tests aussi de matériel. Et ben vous n'avez plus qu'à me contacter, il n'y a pas de souci, on peut discuter. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye!